C'est comme la douleur, on est fait commenter de toute l'heure.
Yeah.
son orange de sauter au canon. Thank you.
yango. Amen. Yesu nde aliyeliko sako. C'est Jésus-Christ qui s'est prophétisé. Yenda zali kula kisemiso nzela bomo. C'est lui qui nous montre le chemin de la vie. Kola pamola papa Godé. Que le Seigneur bénisse papa Godé. Na inspiration za mapesa ya nzela bomo. Et l'inspiration divine pour ce chant. Et donc la malamo foi va pourquoi yango. Tu dois savoir louer ce qui est bien. Vraiment, c'est un chant qui va tout droit au cœur. Les bélés, la bandimimassie, la bossani, vraiment mon calme. Beaucoup de fidèles de Jésus-Christ ont oublié la volonté de Dieu. Et commencent à s'attacher aux dieux qui ne sont pas dieux. Dieu, c'est ma parole. Si tu t'attaches à la parole qui n'est pas conforme, tu peux t'attacher à un Dieu qui est fort. Il faut écouter la prophétie de Jésus. Qui a zoté, si lui est en train de nous montrer, alors il est en train de nous montrer le chemin. C'est la fin que nous ne serons pas assez. Doté et massé. Que nous puissions demeurer fermes sur les rochers qui a vaincu Goliath. La pierre qui a renversé Satan. La pierre qui a vaincu. Libanga. La pierre qui a vaincu. Son nom c'est Jésus Christ. On a télé makaka. Que je puisse demeurer ferme. Vraiment, vraiment, c'est la joie que tu demeures toujours. Ta parole est en casse. Même si la parole est très dure, je resterai toujours ferme sur toi. Et je sais que le Seigneur va me fortifier. Il faut avoir cette foi, bien-aimé. Juste assez que tu vas vaincre la mort. Et là, ce sera la lèvre. À la rencontre du Seigneur. Vraiment, la vie de la parole est une vie mon kitoko. Vraiment, la vie de la parole est une bonne vie. Vie mon vraiment y a bien. Une vie vraiment qui est bonne. Et tant vos amis au kamamana yango. Et lorsque tu t'attaches à cette vie bien-aimée, les âmes amènent la saliongo. C'est le Seigneur qui t'a accordé cette grâce. Asusu bakangami na makamosusu. D'autres se sont attachés à d'autres choses. Les âmes la permettent de t'écouter dans de la parole. C'est le Seigneur qui ne leur a pas permis d'entrer sur les chemins. Ceux qui ont écouté la parole. Et si tu es entré dans la parole. Les amis, la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Tu es bien que toujours bien sûr la doctrine de Balaam. Nous savons que nous parlons sur la doctrine de Balaam. Un autre côté, on va prendre en compte l'Apocalypse 2. Le verset 14. C'est pourquoi nous allons nous lever pour lire Apocalypse 2. Et puis nous allons répondre à quelques questions par la grâce de Dieu. Oui, nous allons répondre à quelques questions par la grâce du Seigneur. Tout autant dans la courbe de Jésus-Christ. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Puis tout autant dans aussi Jude. Et puis nous lirons aussi Jude. Le verset 3, 4 et puis verset 11. Le verset 3 et 4 et puis le verset 11. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Jude est juste avant l'Apocalypse. L'épître qui vient juste avant le livre de l'Apocalypse. Tout en guise le verset 4 et puis le verset 11. Le verset 4 puis le verset 11. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu, de notre Dieu, en dissolution. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Le verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés
un salaire dans le carrément de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Que Dieu bénisse le Dieu. Ça ne vient pas pour la vitamine. Il y a quelques questions que nous devrions répondre. Selon la grâce que le Seigneur a donnée à la mission. Selon la grâce que le Seigneur a fait. La première culte pour celui qui consécration à ma sœur Mazabé. Au premier culte, on avait procédé à la consécration des serviteurs de Dieu. Et nous allons rendre grâce aussi pour ça. Et puis nous rendons grâce aussi à ces serviteurs-là. Et ma coutine en chant de Dieu étant mandaté. Ils sont entrés dans le champ de Dieu comme mandatés. De notre côté, toujours louer le Seigneur. De notre côté, nous louons le Seigneur pour que cela. Que garder dans mon vie la fidélité à la parole. Que le Seigneur puisse les garder dans la vie de la fidélité et à la parole. Et qu'il va vivre une vie d'humilité et de sanctification. Paul disait à Timothée. Paul disait à son fils Timothée. Jusqu'à ce qu'il n'accoye. Qui nous t'a envoyé, tu n'accoye pas. Applique-toi à la lecture. Ni pèse ça pour tabac à ma connaissance. Oui, aussi à la prière, c'est très important. Et dans le sang, où les amis, tout c'est ça la vie d'un serviteur. Il y a mon égo, il y a mon sang, il y a un sang. Il faut aimer bien l'enseignement. Il faut qu'il sache maîtriser l'enseignement. Aïe, bah aussi, qu'on met ma libota dans le sang. Et savoir aussi porter le peuple dans la vie. Après, trouver tes serviteurs dans la vie à ma querelle. On ne peut pas trouver un serviteur de Dieu dans le soin national. Donc, il faut trouver vie à nature et à responsabilité. On doit le trouver responsable. Et nous louons le Seigneur parce qu'il nous a embarqué ici aussi maintenant sur la chambre. Et nous louons le Seigneur parce qu'il a ajouté d'autres personnes dans son parce champ. Parce qu'il a raisonné ensemble. Parce que les champs de la nation n'appartiennent pas à Jésus. L'Église appartient à Jésus. C'est lui le maître de l'œuvre. Nous n'allons pas fermer les chemins à d'autres. Mais nous allons conseiller à tous. Et regarde ces chemins, c'est par là qu'on marche. Et le Babata Mounion, ce que tu as, nous te continuons à ministère, nous avons aussi des armes maintenant qui combattent. Et nous disons que quand tu entres dans le ministère, c'est alors que tu prends les armures pour les. Il faut trouver cette détermination. À mon avis, il y a ceux qui savent en l'air. Il y a ceux arrachés, nous avons là qui est la prison à pécher. Il y a un bon tout le monde comme un soumis. À côté d'un royaume, il y a fils de Dieu. La lumière. Pour entrer dans le royaume du Fils de Dieu, dans la lumière. C'est ça d'abord l'objectif du ministère. Il y a un l'autre côté. Libérer les captifs. Au cas où la canne. Même temps, nous avons appelé qui Paul. Même lorsque le Seigneur avait appelé Paul. Alors qui est pour délivrer votre royaume à ténèbres. C'est pour délivrer les gens du royaume des ténèbres. Vous même votre royaume à lumière. Et pour les amener dans le royaume de lumière. Donc le ministère est là pour élonger le péché dans mon thème. Le ministère est là pour enlever le péché dans le cœur de l'homme. Mais non, le ministère est une récréation sous ma casse. Le ministère n'est pas une récréation d'un libertinage. Mais ministère est envoyé, les pour crainte de Dieu. Mais le ministère, c'est pour qu'il y ait la crainte de Dieu. C'est tout ça, toujours souhaité, frère Royaume aussi dans le ministère. Et c'est surtout ça que nous souhaitons aux soeurs, aux frères nouveaux venus dans le ministère. Les frères ne quittent jamais. Et nous allons hériter le royaume comme des frères. Discipulés. Et les discipulés ne cessent jamais. On va partir à l'héros, faire ton poison, mais au nom de disciples. Et à partir d'aujourd'hui, tu quittes les disciples. Non. Discipulés ici là. Les discipulés ne cessent jamais. Jésus-Christ, aya comme disciple. Au moins, Jésus n'a rien à faire. Vous voyez, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était disciple. Azala qui mouillait pour lui. C'est ça Isaïe 50. C'est ça Isaïe 50. Parce qu'on va comprendre la discipulate. Parce que les gens ne comprennent pas les discipulates. On a pas quand on se sur la année 2009-2008, j'avais entendu quelqu'un dire dans les années passées. Côté à la frontière à l'est, comment du côté des frontières de l'est. Du Congo, tant qu'on va imposer, non. Lorsqu'on lui a imposé, maintenant ton total à la routine d'Amonica. Maintenant on va voir qui va envoyer l'autre. Moi aussi je suis devenu ministre. Le ministre des années malades. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère des années, ma commission dernière des hommes. Le ministère, c'est qu'on te fait le dernier des hommes. C'est ça le ministère. Il y a un bon débat, ça très important. Les années, tu es à Polika.
Donc, Esa, au premier, les plus petits. Donc, tu deviens le plus petit parmi le peuple. Et c'est ce que le Seigneur a dit au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a recommandé. Et l'Okouana, il faut éteindre sa maman Kassi, Nakatiyama, Ouyonion, son bazar ministère. Et cela doit se manifester, doit beaucoup se manifester dans tous ceux qui ont le ministère. Respect d'enseignement. L'Imenia n'a l'idée. C'est très important. Les animaux, tout est en casse. Parce que honorer Christ. Parce que si tu honores le Christ, Christ aussi a honoré. Le Christ aussi t'honorera à ton tour. Avant-moi. Il est comme ça. Donc, passons là dans la question, Seigneur. Et passons d'abord aux questions du Seigneur. Dans nos autres questions, Oyo, je prends cette question. De quoi poser alors? Que le frère vient de me poser ici. Oui, c'est à vous poser une question, Père. Il ne faut pas hésiter de poser des questions. L'église du Seigneur est l'église à la question-réponse. L'église du Seigneur est celle de question-réponse. Il y a un moment où nous avons besoin de Moïse. C'est pourquoi lorsque le Seigneur envoie Moïse, il n'y a aucun Moïse. Écoute Moïse. Parce que déjà, situation de Koméraka. Une situation lui était survenue. Dans le Koméraka, lorsque cela était venu dans la Akimaka, il avait fui. Akimaka, question. Il avait fui la question. Qui t'a établi? Tu veux me tirer? Comme tu as tiré hier l'Égypte. Question. Et qui nous a Moïse? Il a fui par une question, à cause d'une question. Lorsqu'il a fui, après un certain moment, le Seigneur a-t-il crié? Le Seigneur l'a renvoyé. C'est pourquoi il a posé à Dieu. Il savait que ce peuple-là était un peu question. Question. Parce qu'il avait fui la question. Mais alors, il a dit. Alors c'est un élément. Ce qui va tout l'ingagne tout là. Nzambango a tout l'ingagne. Qui est ce Dieu qui t'a envoyé vers nous? Le Seigneur va répondre. Le Seigneur aussi lui a répondu. Ce qui va tout l'ingagne. Si on t'interroge. Voilà. C'est lui qui s'appelle Jésus. Oh, il a tout l'ingagne. Il a tout l'ingagne. Les dieux de ton père. Zambé à Tata. Les dieux d'Abraham. Zambé à Malam. Les dieux d'Isaac. Les dieux de Jacob. Et Jacob. Voilà, on va dire les dieux de tes pères. Là, il n'a pas dit Dieu de tes pères ou que. C'est tout un enseignement. Les amis, il a qui c'est. Les avancés, Dieu de tes pères. Les amis, ils ont dit Tata. Le Dieu de ton père. Ils ont dit Tata. Le Dieu de ton père. Ils ont dit Tata. Abraham. Abraham. Isaac. Isaac. Jacob. Et Jacob. Aux autres, normalement. Amen. Là, Dieu voit l'alliance, il y a père Abraham. Voilà, ça va son nom, la bouillotte, il y a Tata. On est à toi pour ça, la délivrance. Et là, il vient opérer la délivrance. À continuer les choses. Il continue. Alors, il y a la langue embarrassée. Il dit, j'ai la langue embarrassée. Donc, à la combat, on a dit, on a dit, il craignait vraiment le peuple. Alors, il y a la langue. Dis-nous tous. Envoie qui tu veux envoyer. Dieu s'est enflammé. Nous avons mis à Sinita. Et la réponse. Et la réponse, c'est la dit, l'arrivée d'Aaron. C'était l'arrivée ou la vérité de ton frère. T'as la déconnue en Aaron. À conserver des bouches pour rien. Nous avons eu mon encore. Donc, du coup, dans un présent, ma petite sa la question. Donc, parmi le peuple, le Seigneur n'interdit pas la question. Donc, ils avaient la tina pour tant qu'on n'est plus quelque part. C'est très important parce que lorsque tu iras quelque part, dans un milieu, ne t'y a pas tout. Dans un milieu, par exemple, nous avons parfois dans nous tout en haut. Tu vas croiser par exemple la question que tu avais posée. Il ne faut pas te rendre devant Dieu. Dans notre église, nous prêchons. Non. Le baga, il est écrit. Il faut dire que maman. Sauf que sur la moto, si vous bâtiez la camotille, après que bâtiez la bilocognage. Les paniers qu'on met là pour celui qui vient de prêcher, après qu'on ait donné d'autres offrandes. Il dit ceci. Je lirai seulement la question pour le temps. Droit d'onction. Ce qu'on appelle souvent communément le droit d'onction. Et la Bible. Cette offrande existe toujours dans les Saintes Écritures. S'il vous plaît. Na bondeli. Na ingi na yeba. Je veux savoir. Et vous en avez. Tu as le droit de savoir. Moi, je ne t'avais pas racheté pour que je puisse t'interdire de poser des questions. La première des choses, la Ligue a expliqué sur la loi. La première des choses, j'aimerais d'abord t'expliquer ce
dans ce qui concerne la loi, la loi, mon béco, la loi, la loi, lorsque tu touches la loi, loi est à la carte comme prophétie, mon béco est à la carte pour la bénissance. Là aujourd'hui, Matthieu 5. Là tu prends Matthieu chapitre 5. Frère, il faut y avoir aux noter pour défendre la parole. Les frères, il faut amener les blocs notes parce que vous allez défendre la parole. C'est très important. Aujourd'hui, Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Verset 17 à 18. Le verset 17 et 18. Nous autant la parole de Jésus. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans verset 18, verset 18. Car je vous l'ai dit en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Dans ma colombe, dans ma belle boutique, dans la terre, dans la partie 5, verset 18. Tant que les ciels et la terre ne passeront point. Les années qui tout ça, les noms. Par exemple, nous sommes aujourd'hui. Terre, les années. Il y a la terre, ciel. Il y a aussi le ciel. Tant que la terre et le ciel ne passeront point. Tant que la terre et le ciel ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Et pour lui, moi, t'es la tête, la mauvaise, quoi, t'as dit comme il faut. Ou un seul trait de lettres. Attends, mes amis, et l'autre, on quitte. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qui nous t'a voué, qui nous a dit, comment, n'est-ce que comment. Ou la loi est un prophète. Là, la loi est comme prophète. Donc même aux temps de grâce, même si tu es dans les temps de la grâce, loi au la loi est là. Tant que la terre et le ciel est là. Tant que la terre et le ciel y a présent, la loi aussi est présente. Et tant prophète. Le coup la moussakoli. Donc loi est sakola. Donc la loi a prophétisé une chose. Toujours on compte la loi comme prophète. Toujours dans le compte de la loi comme prophète. Dans Hébreu 10. Je prends Hébreu chapitre 10. Le verset premier d'abord. D'abord le verset premier. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Hébreu 10, verset premier. Hébreu chapitre 10, le verset premier. En effet, dans mon sol, la loi qui possède au Esali innombre de bienvenus. Un nom exact de représentation des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, dans le texte, maintenant observe bien ce texte. Il nous dit la loi, mon béco, possède des amis dans un go. Dans un exemple. Je prends un exemple. N'a présenté la loi, une parcelle. Je présente par rapport à la loi comme une parcelle. N'est-il 40 sur 40. Donc une parcelle de 40 sur 40. Mais parcelle ou on est 40 sur 40 possède. Mais cette parcelle-là possède en elle l'ombre des biens. Et lui dit à ma cambo et kouya. Donc, ils ont dit non, ils ont la loi. Il y a d'autres choses qui sont dans la loi. Ils ont ombre terre. Ils ne sont pas l'ombre. Et vous allez répéter, nous avons la grâce. Et ces choses-là seront répétées. Ils sont dans la grâce. Donc, loi possède. Mon père, vous allez péter la carte, la bonne et l'île. Il y a un moment où on a Paul, tant que la femme ne peut pas prêcher. C'est pourquoi quand Paul interdit à la femme de prêcher. Alors, lui, selon qu'elle dit aussi la loi. Ils ont dit le lingue. Donc, le lien à sacerdoce, moi, si à la côté, les matins, pour la potanga, beaucoup de la même manière, dans les sacerdotes, les femmes ne se levaient pas pour lire le boulot. Et il y a quand un bon mot échangé, et cela s'est répété de la même manière. Et il y a dans la grâce, selon qu'elle dit aussi. Et cela s'est répété de la même manière dans la grâce. Pas des acteurs en mode ombre. Non, il ne faut pas prendre cela comme l'ombre, non. Donc, ils allaient dire par exemple, c'est par exemple, loi et lobby, la loi dit, il n'y aura qu'un seul Dieu devant ta face. C'est la loi. C'est la loi.
été aboli. Maintenant, si on connaît la dernière ou bien trois dieux. Aujourd'hui, on a deux ou trois dieux. Il faut y avoir des écritures, tu vas savoir les écritures telles qu'elles sont. Nous avons un problème. Par exemple, nous avons un problème. La loi est oubliée. La loi dit. Une chose est vous en avez établi vraie. Et l'autre qu'on dit, ça va sortir. C'est la déposition des deux ou des trois témoins. Ce qui est à ton ami, la bataille, c'est la loi qui dit ça. C'est la loi qui le dit. La grâce est. Et ça, vous pouvez connaître. Mais la grâce est répétée à vous. Mais la grâce l'a répétée en son temps. Telle que la loi l'avait dit. Tant vous en résoudre le problème, il faut des témoins. Lorsque vous faites la résolution d'un problème, il faut qu'il y ait des témoins selon la loi. Là maintenant, la loi est allée utiliser comme un exemple. Voilà pourquoi on va s'aller au sol et la mort au colanda qui s'en loi. Lorsque la chose est dans la loi, la grâce est répétée. La grâce l'a répétée. Et commis comme exemple. Et cela devient comme un exemple. Donc la loi est allée comme prophétie. La loi est comme la prophétie. Donc ils allaient n'a pas dit loco, oyoyo, ma bienvenue. Ils allaient. C'est comme la Pâque qui est dans la loi. Bienvenue dans la Pâque. Le bien à venir dans la Pâque. Et n'est pas Christ. Donc c'est accompli dans le Christ Jésus. Vous avez la loi. Vous suivez attention. La loi procédure qui est en moi. Elle va faire procéder en moi. Mais bon, qui ni bon, ni pour le bien en Christ. Mais cela est un mystère pour parler de Christ Jésus. Maintenant, loi, maintenant la loi, à l'omela ma fête n'est ma fête à tabernacle. La loi avait parlé des fêtes telles que la fête du tabernacle. Na elobeli mususu. Dans un autre langage. Tabernacle les appelle millénium. Dans un autre langage, le tabernacle c'est. Mais loi n'est elobeli. Mais là, c'est la loi qui a. Il y a besoin d'un compte, il y a tant que le ciel et la terre et causera. C'est dans le compte de tant que le ciel et la terre subsisteront. Aucun niote pour le moi jusqu'à ce qu'il y a un mot à accompli. A tant que mis mon côté pour le moi, qui nous t'a été dans ce combat. Par rapport à Jésus, t'a envoyé. Par rapport à Jésus, lorsqu'il est venu, la loi a prophétisé. Mon père est sa pour la qui jusqu'à Christ. Qui ne est pas pour arriver à Christ. En ce qui concerne la venue de Christ. Là, il y a dans Matthieu, chapitre 13, le verset 11. Et cela se trouve dans Matthieu, chapitre 13, le verset 11. Là, l'écriture est libre. Là, l'écriture est ici. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 11, verset 13, plutôt. Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, écriture est ouverte là. Loi. Et prophétisa qui. Donc cette écriture affirme que la loi avait prophétisé. Donc l'écriture les a confirmé quand Jésus est venu dans Matthieu 5. Et cette écriture confirme la parole de Jésus de Matthieu 5. Et ça, la prophétie venir des choses à venir qui viendront. Macambole et ces choses-là sont dans la loi. Vous avez la loi. Suivez attentivement. Donc loi, tant nous avons la loi. Lorsque tu vois la loi, même. Même le livre de psaume. Et la loi. C'est la loi. Qui l'avait dit? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aux yeux dans Matthieu 10. Prenez Jésus dans Matthieu chapitre 10. Tangwa tunaki bango. Lorsqu'il leur avait interdit. Nasali œuvre. J'ai fait une œuvre. Nakataba œuvre. Nasali œuvre. N'yamou bina bozo condamné. Et parmi les œuvres que je fais pour laquelle vous me condamnez. Yokaba Juif dans verset 33e en Jean 10. Au verset 33 de Jean 10. Son retard va dans verset 36. Nous lirons jusqu'au verset 36. Vous lisons en des deux verset. Ah. Les Juifs lui répondirent : ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Les habités pour la Moussa, là, Moussa, l'idée de Zaniko Babo. Mais pour un blasphème. Les habités n'ont été au tout qui. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais. Dieu. Jésus leur répondit. Verset 34. Il y a Jean 10. N'est-il pas écrit dans votre loi? Et comment la
J'ai dit, vous êtes des dieux. Si tu remarques où cela est écrit, c'est dans psaume 86. C'est dans psaume 80. N'est-il pas écrit dans votre loi? Je pense que vous êtes là. Vous êtes des dieux. Vous allez m'entendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. 82 plutôt verset 6. Bien. Psaume 82 verset 6. Et ça n'est pas un psaume. C'est dans psaume. Jésus appelle la psaume loi. Donc Jésus appelle le livre des psaumes la loi. Ça va, hein? Donc même moi, le psaume. Même quand tu vois le livre, même moi, pas prophète. Même le prophète. N'est-il pas prophète? Par exemple, le prophète. Aujourd'hui, Jean 12. Vous prenez Jean chapitre 12. Tant que le Seigneur a yamoura qui prière à Jésus, tant que le Père glorifie ton fils. Lorsque le Seigneur avait exaucé la prière de Jésus, quand il priait que Dieu puisse glorifier son fils. Et voyez par la vie du ciel, la voix fut entendue. Je l'ai glorifié. Naïna Kounissier. Et je l'ai glorifié encore. Et la Kounissataël Missoussou. Et Tango. Et lorsqu'il parlait à la foule, dans verset 34e, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jean 12, verset 33 déjà. Le verset 30. Maintenant, la première, verset 34. Le verset 34. La foule lui répondit. Et tout le monde a battu à nous. Nous avons appris par la loi. Que le Christ demeure éternellement. Et que Christ habite à ta seco. Et ça, l'absolu, c'est dans psaume. Et ça aussi dans 2 Samuel 7. Et cela se trouve aussi dans 2 Samuel 7. Le roi où le trône naïe et boutique à la seco, c'est pour la mambo. Le roi à qui le trône demeurera éternellement. Donc, on va me dire toujours loi. Donc, on a toujours appelé les livres des prophètes comme la loi. Je pense que vous saisissez mal. Je pense que vous saisissez bien. Donc, ma quatrième livre, ma prophète, est la prophétie. Dans le livre des prophètes, il y a la prophétie. Donc, ma kambo est beaucoup qui s'ama. Les choses qui s'accompliront. Mais sous ce qui s'ama. D'autres se sont déjà accomplies. L'unique Jésus-Christ a dit que c'est l'accomplissement de la loi. La manière dont Christ était venu, c'était l'accomplissement de la loi. Loi est cité ta prophète. Ne s'est pas arrêté là comme prophète. Tant que le ciel et la terre est posé. Tant que ma bénédiction, le ciel et la terre. Loi est un prophète à Zaka. La loi comme prophète est toujours présente. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que le Christ a dit. Maintenant, loi aussi est comme étant sacerdoce. Mais la loi est aussi comme sacerdoce. Ah oui, et puis ça veut dire comme sacerdoce. Ainsi qu'est-il mis comme le sacerdoce. Le sacerdoce a changé. Mais le sacerdoce a changé. Christ est la fin de la loi. C'est au sujet du sacerdoce que nous affirmons que Christ est la fin de la loi. La tête à sacerdoce, ainsi qu'il y a des gens qui est éternel. Pour l'expiation et à péché. On offrait le bouc en fait que les péchés soient expiés. Dieu a mettre à nos fins. Le Seigneur a fait cesser cela. Et lui-même s'est donné en sacrifice à la place des boucs et des taureaux. Sacerdoce est un peu à Lévi. Le sacerdoce est entre les mains de Lévi. Et il y a une tribu de Juda. Et lui est venu par la tribu de Juda. Donc, à faire cesser, marche ou à la loi par rapport à sacerdoce. Il a fait cesser la marche et la loi par rapport au sacerdoce. À tenir ici loi, t'es comme prophète. Loi comme prophète, les autres continuent. Il n'a pas fait cesser. Ciel, la terre. Il n'a pas fait cesser la loi comme ça. Comme prophétie, ça continue comme le ciel et la terre. Il faut que nous expliquions la parole de Zambatien. Il faut expliquer la parole comme le Seigneur l'a mise. Loi aussi est comme un exemple. Vous pouvez couper ça de moi en un témoignage. Pour la litatolie. Il y a un moment où on est tout le monde de la Syrie. Le salaire. Il y a un serviteur. C'est pourquoi lorsque nous voulons parler sur le salaire d'un serviteur, nous allons tirer exemple. Nous tirons exemple dans la loi. La tatia mobeko. Nous allons en avoir. Vous suivez attentivement. Et d'abord, service au Ezabo Salim en Akatia. Il y a temple. D'abord, le service qui s'est passé dans le temple. Et il y a deux grands services. Il y avait deux grands services. Et dans le service, on a appelé ça qui est dans ma boko. Il y a Lévi. Il y a les services que Dieu avait donné entre les mains de Lévi. Donc, le Lévite. Donc, le Lévite. Et ça dit
comme une fonction. C'était comme une fonction. Maoutika dans ma famille, à moi, on m'a béni Lévi. Il ne provenait que de la famille du fils de Jacob, appelé Zotangi, nombre 18, pour comprendre Baro. En lisant nombre 18, tu vas comprendre cela. Même Deutéronome 18 aussi. Et même Deutéronome 18. Mais Nazan, 1 Corinthiens 9. Mais je suis d'abord dans 1 Corinthiens 9. Donc c'est que, c'est-à-dire, Sokotangi, si tu observes, les Alagina m'a lévite. Il y avait des lévites. C'était eux qui avaient le droit de percevoir la dîme. C'était les Lévites. Mais ils avaient qui aussi sacrificateur. Mais il y avait aussi les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils avaient la famille Aaron. Les sacrificateurs étaient ceux qui provenaient de la famille d'Aaron. Aaron, pas à moi, la Lévite. Aaron aussi était la Lévite. Mazaki mis à part pour la sacerdoce. Mais il était mis à part pour le sacerdoce. Mais dans le reste des fils de Lévi, il n'était pas de la famille d'Aaron. Mazaki osait le temps propice 20 ans. Il attendait 20 ans le temps. Pour avoir dans le service lévitique. En fait, tout ça consacré dans le service lévitique. Mamonde Mazaki osait dîme. C'était eux qui percevaient la dîme. T'as la part du sacrificateur. Mais non, regarde la part du sacrificateur. Maintenant, dans le nombre chapitre 18. J'ai lu d'abord le nombre chapitre 18. Ce que Yoki Kenoé Bissalékonayo a Zalagite. Si tu écoutes, va aussi parler à ton frère qui n'est pas présent parmi nous. Nombre 18. Nombre chapitre 18. L'écriture est dévoilée. L'écriture dit ceci. On va noter verset 1009. Beaucoup plus tu vas noter le verset. Mais la bambine à 8, verset 8, j'ai rien en Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Aaron, Yahweh et Sinaï, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui m'est offert, qui sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par les faits. Toutes les offrandes. Offrandes au bâtiment, ils ont la boisson de Mouindaté. Les offrandes qu'on met ici, ce n'est pas acheter les emplois. Ils ont la ministre n'a pas dit. C'est le droit des ministres. Pas les écritures. C'est l'écriture de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Toutes les offrandes. Toutes les offrandes. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Donc, tant que tu as dit tout à l'offrande à moi, lorsqu'on met les paliers de l'offrande ici, tout ce qui va y avoir appartient au ministre de Dieu. Je n'ai pas encore dit les dîmes. Je parle d'abord des offrandes. Les les offrandes ne sont pas là pour acheter des colons de Lianga. Non. Ils ont des amortis. Donc c'est pour les ministres, les serviteurs de Dieu. Monter une heure, ça. Ordre. Non, les serviteurs peuvent donner l'ordre. À Kabeli, église, dans les Kambomoka, ici, Diakona, Bozoango, parti, Bosanelambe, Bosanelokoboy. Mais ils ont des. Il fait un don à l'église pour acheter ce qu'on a besoin. Mais cela appartient au serviteur. C'est ça l'écriture. Il y a un mot qui est commis en Zambé. Maintenant, les dîmes. Parce que, Et personnellement, qui n'a Lévi. Était donné au fils de Lévi. Maintenant, Paul. Dans 1 Corinthiens 9. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. L'Ikamoni n'a Zoloba. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire, bien? Dans verset 13. Au verset 13. À la Bible, il dit ceci. Ne
savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées né dans les vies. Donc c'était des fils de Lévi, il n'y a pas ceux de la famille d'Aaron. Vous en avez Amen. Mais parce qu'il nourrit par le temps. Mais il qui la tête. Parce qu'il remplit les fonctions sacrées. Donc il remplissait les fonctions sacrées dans le temple. Parce qu'il consacrait pour le service du temple. Ils étaient consacrés pour le service du temple. Ils étaient nourris par le temple. Mais il qui voulait ça la tête. Que ceux qui servent à l'autel. On part à l'autel. Maintenant, verset 14. De même aussi, quand Paul a sanni ici les vitres, Paul a rassemblé les fils de Lévi, dans le sacrificateur, et les sacrificateurs, verset 14. Au verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. Si tu es notre écriture, tu vas m'aider. Donc, il faut qu'on en ait l'écriture, mais on les a bénédictions. Il faut suivre l'écriture parce que c'était la bénédiction. Maintenant, on va remarquer. Maintenant, tu vas remarquer bien. La façon dont les services sont passés. La façon dont les services s'est passé. Sacrificateur, où il y a ça en fonction? Parce que maintenant, vous allez m'aider. Il y avait beaucoup de sacrificateurs, mais celui qui était en fonction. À part droit d'onction. À part le droit d'onction. Oh, oh, oh. Les amis, il y a Lévi, le sacrificateur. Qui est celui de Lévi, le sacrificateur. Oh, les amis, les offrandes et les dîmes. Qui aujourd'hui sont les offrandes et les dîmes. À partir de l'Ongola, que ça l'air à ministre, les actes à dîmes. À partir d'aujourd'hui, on lève dans ta tête. Le salaire des ministres, c'est seulement la dîme. Offrande des APAI. Et même les offrandes lui appartiennent. Un service de ça dans l'église, mais ça, ça, ça collecte. Il faut faire la collecte pour ce service-là. Vous en avez un, hein? Amen. Les appels offrandes, ce n'est pas que par les offrandes. Donc, au sommet là, matrier. Et tu vas acheter les matières pour les andas. Non. Vous êtes en train de canard. Vous êtes en train d'irriter le Seigneur. Parce que ordre les amandes. Parce que l'ordre le Seigneur l'aime. Et ça fait offrande nous au sommet de la 5 sacs à ciment. Ce n'est pas par les offrandes que vous allez acheter 5 sacs à ciment. Et ça la collecte pour la construction. Il faut faire la collecte pour la construction du lieu de prière. C'est ça la vie. Il y a un mot de dire. Maintenant, bah, on est pas en route dans le service. Maintenant, ceux qui entrent dans le service. Ceux qui montent avant le service. Si quelqu'un est dans le service, d'abord, il a droit d'onction au total. D'abord, il a ce qu'on appelle le droit d'onction qu'on vient de lire. Les offrandes, et les dîmes. Paix, maman, qu'on les hommes. Mais maintenant, Lévitique 7 est relevé. Maintenant, Lévitique 7 dit ceci. La verset 8e. Au verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Donc, sacrificateur a la fonction à moment où. Le sacrificateur qui est en fonction en ce moment-là. Alors, ça va nous en dehors d'abord des offrandes et des dîmes. Il reçoit ce qui est en dehors des offrandes et des dîmes. À ça, il service. Donc, il fait le service. On lui donne la peau. Ma coupée, ça est pour ça. Pour moi, le service est pour lui. Les enfants, il y a encore tout ça. N'a-t-on expliqué, oh, on est parti à la bouteille à j'ai
doctrine. Je ne parle pas seulement pour moi, mais j'ai besoin que vous sachiez la doctrine. C'est ça mon souci. Il y a un monde pour savoir le bagage selon la doctrine. Nous devons parler des choses selon la sainte doctrine. Lorsque ce sacrificateur accomplit le service, et que tu donnes son service, il va prendre pour lui la peau de l'Holocauste. C'est seulement pour lui-même qui vient de faire le service. Mais à part le roi, la paix, offrande, nadine, mais à part cela, il va percevoir aussi les offrandes de dîmes et qu'on le donnera. C'est ça l'écriture. Il y a combien de commis en répondre parce que mon peuple est péri par manque de connaissance. Je réponds parce que tu es le minimum des occupants pour la cause de la Moïse. Amen. Mais parce que nous connaissons ce qu'il faut, il y a un amour. Parce que tu dois connaître chaque chose telle qu'elle est. Donc, Coachella, Montaigne, Atei, et qui va tirer quelque chose, les âmes à bêté. Venez à mon tour, Lévitique 7, verset 8. Venez offrir pour les serviteurs qui viennent de prêcher n'est pas mauvais selon Lévitique 7, verset 8. Exact, un problème. Ce n'est même pas un problème. Que Dieu bénisse. Zambé à Pambola. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui a expliqué que. La loi est installée aussi comme exemple. C'est pourquoi j'ai fait des démarches pour t'expliquer que la loi est aussi un exemple. Non, aujourd'hui, la carte a été en abus pour quelques minutes pour notre clôturer. Retournons à notre enseignement pour quelques minutes avant d'achever. Aujourd'hui, on est sur la doctrine des Balaam. Nous parlons sur la doctrine des Balaam. La carte est en haut. Et dans cette doctrine, aujourd'hui, il s'en avance que dans Apocalypse 2, au verset 14, nous montrons d'abord que dans Apocalypse 2, le verset 14, le Seigneur a télé la casse. Le Seigneur s'oppose à cette doctrine. Ce n'est pas une doctrine de Balaam en réalité, les amis. Si on te pose la question, c'est quoi en réalité la doctrine de Balaam? Il a aimé le salaire de l'iniquité. Il y a un gars qui lui fout, il boit ça là, au salaire de Béma. Donc, Abimani comme serviteur du ventre. Donc, il était apparu comme un serviteur du ventre. A vu Missolo Poila qui la libota ma paix. Il a perçu un salaire, mais pour maudire le peuple. Donc, Abébissine paroles. Donc, il a tordu la parole. C'est sa viande sacrifiée aux idoles. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, Bissot Ozolia viande où est la chair de Jésus-Christ. Nous mangeons la viande qui est la chair de Jésus-Christ. Et Ozolia a aussi le sang de Jésus-Christ. Et nous vivons aussi le sang de Jésus-Christ. Donc, Ozolia, la sainte doctrine. Nous mangeons la sainte doctrine. Donc, vrai enseignement. Lila qui s'y a solo. Alors, enseignement, oyoyo, ezali, contraire à vrai enseignement. Alors, enseignement qui est contraire au vrai enseignement. Eza viande sacrifiée aussi. Les amis, ils sont va voter, ils vont s'amener à l'écouta. Mais porte na yango et kota kandenge ni na kata basan. Mais comment est-ce que ces viandes entrent parmi les saints? Et kota ka na ba serviteur, oyo bazala comme serviteur de ventre. Ces viandes entrent parmi les saints par les serviteurs qui sont ceux du ventre. Serviteurs du ventre. Les serviteurs du ventre. À propos de l'enseignement. Il peut tordre l'enseignement. Il suffit à ton bonheur. Il suffit seulement qu'il puisse percevoir son argent. Écoutez, là, ma serviteur, mon souci. J'ai croisé d'autres serviteurs. Donc, la maman a soutenu la caillouane. Comme cette maman-là qui le soutient. C'est moi. Cette sœur. Attends, il s'en va. Talaba bijou. Elle sépare des bijoux dans son frère. Peut moyen à ma camarade bijoux l'église exalté. Il n'y a plus moyen que les serviteurs prêchent la parole de la femme dans l'église. Pourquoi il dit que ça, quand même, c'est il sait que le sac vient par cette maman-là qui sépare des bijoux. Dis, mais à Canadien, maman. Il a dit, mais viens toujours par cette maman. Il faut encadrer, maman. Non, il faut encadrer de telle maman. Entre-temps, la maman est dans le péché. Pour encadrer ça, pour lui dire c'est vérité. Tu vas l'encadrer sans lui dire la vérité. Mais salaire à vos soins. Mais le salaire à vos soins. Elle ira dans le feu éternel. Pour y avoir besoin combien? Parce que toi, tu as besoin de manger. Et ce sont des choses, les enseignements, dans les enfants. Et ce sont des choses qui se passent dans les églises des saints.
vérité à ne manquez de parler la vérité à quelqu'un. Les gens étaient tels. Cela ne nous aide pas. Serviteur a appelé à pour toujours la chose aux Esaïe vrai. Un serviteur est toujours appelé à dire la vérité aux gens. C'est ce que Dieu recommande. Les Esaïe ont dit de l'exemple. Il y a un moment où le Seigneur a reproché cette nature. C'est pourquoi le Seigneur reproche cette nature. Total, ça qui vous tente aux années qu'on le met sur Balaam. On avait montré ceci en parlant sur la doctrine de Balaam. Total, ça qui Balaam a total, ça a un devin. Donc Balaam était un devin. Total, ça qui Josué 13, verset 22. On avait donné Josué 13, verset 22. Et puis, tout ce qui nombre 23. Et puis, on avait pris nombre 23. Verset 5. Le verset 5. Non, verset 16. Et le verset 16. On a battu sur ce qu'ils ont besoin qui ses paroles. Et là, on nous a montré que le Seigneur avait pris ses paroles. Mamalobanaï. Les paroles de l'Éternel. Et le Seigneur les a mises dans la bouche du faux devin. Qui était un devin. On avait dit que le Seigneur n'avait pas prêché à Balaam la repentance. Mais à Thierry Loba. Mais il avait mis ses paroles dans sa bouche. Yamo. C'est pourquoi nous croyons que au milieu des assemblées de saints, quand il y a l'assemblée ensemble, il y a aussi des prédicateurs comme Balaam. Les amis, la bataille pour la Balaam. Répentance est arrivée à côté. La répentance ne les concerne pas. Mais ils prêchent la parole. La situation est arrivée à l'assemblée. Nous sommes dans la science occulte. D'autres sont dans les sciences occultes. Nous sommes dans la sorcière. Et d'autres vraiment des serviteurs sorciers. Conseil des élus de bazar. Les chrétiens ne pas, ils sont l'assemblée dans les églises. Je ne parle pas des églises d'ailleurs. Moi, ce sont les assemblées de ceux qui me concernent. Donc, la sorcière. Donc, les serviteurs sont politiques ministres. Ils deviennent même des ministres. Bazar. Ils sont là. Pour écriture, Néo. Parce que c'est l'écriture qui l'a dit. C'est Jésus, la garde de la disciple. C'est Jésus parmi ses disciples. Simon, quoi, le mec, il a un démon. Il avait dit un des leurs était un démon. Pierre, et Pierre l'appelle. Dans acte 1, il a participé dans le même ministère que nous. Il avait part au même ministère que nous. Par cette écriture, dans acte 1. Dans acte 1. Ils ont confirmé que apôtre Judas Iscariote, l'apôtre Judas Iscariote, j'étais allé aussi prêcher le nom de Jésus-Christ. À partir de ma Pierre a nommé dans acte 1. À partir des paroles de Pierre dans acte 1. Avec Judas Iscariot a participé dans le même ministère que nous. Il n'est pas encore ici là à tout moment qu'on a mis ça. Donc Robin là, Judas Iscariot, apôtre. Tu peux appeler Judas Iscariot, l'apôtre Judas Iscariot. Mais ce Judas Iscariot a travaillé dans l'esprit du Seigneur. Mais ce Judas Iscariote avait travaillé par l'Esprit. Zabatia qui son esprit. Le Seigneur avait mis son esprit. C'est Matthieu 10, verset 1. C'est Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Matamouana, il faut que tu vas connaître ces choses, bien-aimé. On voyait pas Batouana la carte inabiso. Tu vas reconnaître ces gens-là au milieu de nous. Tant que la ta doctrine. Lorsqu'ils ne connaissent pas l'enseignement, ils ne connaissent pas la doctrine. Bah, vous savez, ce sont ces gens-là. Moi, on les a bénis une fois qu'il t'a devant. Tout enfant de Dieu va se rabaisser devant la doctrine. Parce que doctrine, il y a moins de vie dans la vie. Parce que la doctrine, c'était notre vie. Il y a moins de vie. On dit Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Ah, on va aimer si il se mourait. Nous lisons dans Jésus-Christ ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. 12. Jésus a précisé le pouvoir. Jésus leur a donné le pouvoir. Maintenant, et de guérir toute maladie. Toute infirmité. Judas Iscariote a beaucoup d'argent et bon son nom. Et Judas Iscariote peut éventuellement. T'as accueilli Gossala Moussa. Lorsqu'il se rendait au service. Parce que normalement, dans l'église, t'as besoin de dire que les démons nous ont tous. Parce que même dans l'église, ils ont témoigné que les démons leur ont tous.
Donc, ma question va s'amener au nom de Jésus. Donc, s'il prie au nom de Jésus, on doit prier. Et la personne est bien. D'abord, apôtre n'a acte de prier. C'est pourquoi dans les actes de prière, alors, lui, il a participé dans le même ministère. Mais la vie de Judas, ça y part au même ministère que nous. Alors, pour moi, c'est Dieu qui donne l'esprit. Si on a vu, c'est Dieu qui donne pour l'esprit. Travail. Pour le travail. Voici les noms des 12 apôtres. Les premiers, Simon appelé Pierre, et André son frère. Alors, on a verset 2e, Yamatibis. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Calamite, et Judas Iscariot. C'est lui qui livra Jésus. Oyo a teka Jésus. À part là, nous devons comprendre que c'est lui qui livra Jésus. Et par là, nous comprenons que c'est lui qui avait livré Jésus. Dans un verset premier, le verset premier. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna des pouvoirs de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais si tu te rends dans Jean 6, l'écriture est honorable. L'écriture dit ceci. À partir du verset 68. À partir du verset 68. Jésus-Christ arriva ici, vous ne mangez pas ma chair. Si je, quand Jésus avait dit ceux qui voulaient souligner, ceux qui vont venir, peut-être qu'il en arrête. Et si vous ne buvez pas mon sang, vous, vous n'aurez pas la vie éternelle en vous. Malobi était aidé à se retirer de Jésus. D'autres disciples se sont retirés de lui. Bah, qu'il y avait la prédication à mort, ils étaient aussi allés avec se retirer de Jésus. Lorsqu'ils se sont retirés de Jésus, Jésus cannibale. Il commence à appeler Jésus celui qui mange la chair humaine. Mais nous avons mangé sa chair. Manger sa chair, la chair de l'homme. Maurice nous avait interdit cela dans la loi. Nous ne pouvons pas tuer notre frère. Mangeons ma chair. Ils voyaient comme s'ils avaient raison. Mais comprenez qu'il n'avait pas compris le langage divin. Il s'était retiré de lui. Mais ils avaient quelque chose à dire pour pas justifier retrait. Ils avaient quelque chose à avancer pour justifier leur. Mais ma Pierre a tant compris la quitte. Mais les disciples, même s'ils n'avaient pas compris, tant les filles à Jésus. Mais lorsqu'ils ont regardé, observé la vie, non, le réveil du Seigneur. Et ma voilà bien colo. Le les ont pardonné les péchés. Comment est-ce qu'ils pardonnaient les péchés? Ils ont guéri ma malade. Comment est-ce qu'ils guérissaient les malades? Le les ma parole la grâce à ce qui m'en est. Non, pas moi là qui, aucun homme sur la terre n'a dit au moins. J'avais vu aucun homme sur la terre semblable. À table à comprendre la guinée à nous. Je n'avais pas encore compris cette question. T'as pas mais vous. Lorsqu'il leur a posé la question, vous êtes répété. Vous n'avez pas fait à votre tour. Il n'y a pas bien. Écoute bien. Oui, il y a un. À qui il y a un nom? Tout qui est joie. Tout qui est peine. Pour reconnaître qu'il y a un Dieu aux âmes à l'eau. Nous avons pris et connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors, dit le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après la Nazan Jean 6, après l'avoir entendu, dire cette parole est qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, les dit. Cela vous scandalise. Et le roi nous a dit pourquoi ça a conduit mal à lui. Donc, tant qu'on a mis des mois, Baba Nicolas, il commence à murmurer. Ils disent que nous devons manger son sang. Boire aussi son sang. Est-ce que vraiment cette chose est vraie? Il avait compris qu'ils étaient en train de murmurer. Ma doctrine est des éléments. Il y a beaucoup de doctrines qui sont passées. Lorsque nous prêchons que la femme, si elle veut prier, doit se voiler la tête.
On dit que tu dois couvrir tes cheveux. On n'a pas dit couvrir de mèches. Les mèches ne sont pas à tes cheveux. Donc le voile, il faut s'y parler sous. Tu dois couvrir tes cheveux naturels. Non. Et on ne dit pas mèche. Non, les voiles ne sont pas des mèches. Verset le milieu qui t'amarre et s'y pas mèche. Le verset n'a pas dit que le voile doit couvrir tes mèches. Donc, qui t'a mal fait pour ta soupe. Donc, le voile doit couvrir tes cheveux. Et doit le couvrir. Si tu es en train de prier. Ou aux autres prophétiser. Si tu es en train de prophétiser. On néglige pas les recommandations en Zambé. Ne néglige pas la recommandation du Seigneur. Zambé le dit, voilà, vous serez fidèle dans les petites choses. Dès qu'il y a comment. Le Seigneur a dit, celui qui sera fidèle dans les petites choses. A vos pèses et terminé. Lui, lui confiera les grandes. J'avais fait la lecture d'un Corinthien. Paul a commencé une lettre. Paul avait écrit la lettre. Des saints. Pour la maçante. Oh, basant à Corinthe. Qui sont à Corinthe. Pour la réunion, son basanico invoquait le nom du Seigneur. Pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. En quelque lieu que ce soit. Si ta mère sera coquille aux ouamas. L'air Seigneur qui est aussi les nôtres. Golo, oh, y'a pas mon père, c'est le père du saut. Maintenant, il peut pas tout le bazar de l'ensemble. Maintenant, pour ceux-là qui n'invoquent pas le Seigneur, ma cagoule, ça peut m'apporter. Ces choses ne les concernent pas. Maman a dit, nous avons un bon appel. Cette maman-là m'a dit, vraiment, tu es une mauvaise. Déjà, la vie n'a pas été écriture. Moi, je dis, je t'ai dit que l'écriture. Malobéli, banane, ma cagoule. À qui on s'est adressé, tu sais. La famille, le verset 2e, il y a un dans le ténèbre. J'ai commencé au verset. À l'église, c'est Dieu qui est à Corinthe. Mon cagoule, on a commencé. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Lettre en les appelant. Cette lettre aussi les concerne. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, moi j'invoque le Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre me concerne. Parce qu'en quelque lieu que ce oui, soit, si la lion se va coquer aux hommes, n'a qui s'amène, même à qui s'amène. Ceux qui invoquent les seuls. Cette lettre aux Corinthiens aussi les concerne. La femme ne peut pas prêcher. C'est dans cette lettre aux Corinthiens qu'on dit que moi, ça coquille côté à terre. Dans toutes les églises des saints. La tête, ça va s'amener sur la santé. Mais ce n'est pas une assemblée de santé. Si ce n'est pas une assemblée de saints. D'abord, pour les l'église va sanctifier terre. Donc, c'est l'église qui n'est pas sanctifiée. Par la parole, depuis le prédicateur jusqu'au dernier fidèle, ils ne verront pas le Seigneur. Parce que c'est la parole, parce que c'est la parole qui va nous porter. Pour ça, l'enseignement, je ne joue pas avec l'enseignement. L'enseignement, c'est ça la parole des hommes la puissance du souffle. L'enseignement, c'est la parole qui nous régénère. Sans qu'on méprise. Donc, si tu méprises l'enseignement, c'est fini pour toi. Il y a 1 Corinthiens 1, verset 21. C'est ça, 1 Corinthiens 1, verset 21. Paul dit ceci. Puisque les morts, le coup la moukili, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Et tu n'as pas dit sagesse, nous sommes en toute la sagesse du monde ne connaît pas Dieu. Il a pris à Dieu et c'est fait ici Zambé de sauver les croyants. Il y a beaucoup qui s'abandonnent. Dans la place à Thierry Obiko. Écoute là où il a mis le salut. Dans la folie de la prédication. N'a ni bon mal, nous allons côté. L'Obiko est en attente d'enseignement. Donc le salut est dans l'enseignement que nous sommes. Ceux qui vous avez mis au combat d'enseignement. Si quelqu'un te dit de rejeter l'enseignement de Christ, allez mis au terre. Il ne peut même pas bien les mains. Il faut monter, il est dans un bon accent, il n'a qu'ici. Il faut les serviteurs, que je suis là, que je puisse te montrer l'enseignement dans les écrits. Et je ne t'apporte pas mes pensées. Ce qui n'a rien à ma cambo, si je t'apporte, c'est les armes.
sanctifié aussi. Alors, pour continuer, Jean 6. Jean chapitre 6. Lorsqu'ils étaient en train de murmurer, et Jésus a continué, et si vous voyez le Fils de l'homme, et ceux qui vous m'ont dit dans 62, montez où il était auparavant. Vous m'avez dit qu'il y a un moyen. C'est l'esprit qui vivifie. Les animaux vont les opérer. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Les animaux vont les opérer. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Donc c'est malheureux. Il vous prend. Mais il sait que c'est ainsi qu'il croit. Il ne croit pas. Très serré derrière le Christ. Il dit celui-ci, il croira. Parce qu'il est Dieu. Il savait tout. On continue en disant ceux qui ne croyaient point, qui était celui qui les livrerait. Il savait que quand j'étais pris, mais tu es un fils de la malédiction. Tu ne seras jamais sauvé toi. Mais il est infantile. Et puis, Malakai, il t'a imaginé, car dans les siècles, dans les siècles. Et puis, des siècles, on avait prophétisé. Dans les livres, on avait dit. Et le lui-même que. Napsom 129. Napsom 129. Et le lui-même que sa prière. Donc, l'hypothèse de Dieu. Dans la lorsqu'elle va prier, et comme un péché. Donc, c'est un péché. On vit nos soucis. Tu prends les soucis. Vraiment. Seigneur, limite ça. Seigneur, pardonne-moi. Et ça va t'appuyer quand tu m'as fait. Le Seigneur, c'est très savant d'éditer contre toi. Il commence à m'annoncer avec Jida. C'est que le Seigneur avait préparé aussi Jésus. Et ça, seulement. Donc, c'est terrible. L'obligo est sa grâce. Donc, le salut, c'est la grâce de Dieu. Et ça, pas pour lui, obligo. C'est parce que tu as choisi en vue du salut. C'est lui que le Seigneur a choisi pour la perdition. Tu vas le voir dans les impudicités et puis il va refuser de les avoir. Même si vous le péchez, il va multiplier les stratégies pour la perdition. Pour se cacher dans les impudicités. Parce que vous multipliez tout le monde. Donc, là, le Seigneur lui a dit, si toi, tu vas me rencontrer dans ma colère. Ah, lui, c'est quoi un grand stratège dans les impudicités. C'est comme le Seigneur lorsqu'il envoie Moïse. Il va chez Pharaon. Mais j'en desserai le cœur de Pharaon. Afin qu'il ne puisse pas croire à tes paroles. Mais Pharaon. Mais Pharaon, il était vraiment là pour opérer le miracle. Il commence à se repentir. En tout cas, il dit vraiment, vraiment bénissez-moi, priez pour moi. Enlevez cette plaie sur moi. Je ne vais plus refaire. Et si c'est pas Moïse se retire de sa face, son cœur s'endurcit. Il dit non. Mais là, il y a son cas, c'est que ça, l'autorité n'est en moi. Mais nous pensons que ce sont autour de moi. Ça va pas à moi. Non, regarde, ça va pas à moi. Je dirige. Avec moi, ça va être pouvoir. Il pense que ce sont ces pouvoirs. Donc, il y a un thème. Alors que le Seigneur qui a préparé de lui amener sur le cœur. Tant que le peuple est en Daki. Lorsque le peuple est sorti. Israël est venu dans l'air de la Pâque. Israël est sorti du temps de la Pâque. Basons à prendre l'Israël sacré. On lui apprend qu'Israël vient de sortir de l'Égypte. Romains 9 et 8. Romains 9 et 10. Zambé a destiné qui Pharaon a dessein. Le Seigneur avait suscité à dessein Pharaon. Pourquoi ça a un problème congolais tellement. Parce que le Seigneur avait besoin que sa puissance soit proclamée par toute la terre. Pharaon a suivi ma calme.
Pharaon a pris ses charmes. Je ne sais pas quelles informations il avait de la salle. Parce qu'il savait qu'Israël était très faible. Il avait pris ma pitaille à ma tasse. Il peut dire à ma Israël ici. Bon, mais préparez-moi les fous. Je vais d'abord après, je vais retourner chez ma chère. Amen.